Madame, Monsieur, bonsoir. Du 1er au 30 avril 2024, le Gabon organise un dialogue national inclusif qui va donc réunir pendant un mois l'ensemble des forces vives de la nation afin de pouvoir dessiner les nouvelles bases sur lesquelles le Gabon va donc reposer afin de pouvoir se remettre en ordre de marche. Pour ce deuxième numéro de ce programme spécial dédié à cette rencontre historique, le Gabon face à son destin, nous avons le plaisir de recevoir dans ce cadre le président de l'UPNR, Maître Louis Gaston Maïla, ancien proche collaborateur du feu président Omar Bongo Ondimba, ancien ministre de la République, ancien président du Conseil économique et social. Maître Louis Gaston Maïla est l'une des personnalités politiques de premier plan de notre pays, le Gabon, qui a donc pris part à un ensemble de rencontres importantes dans le cadre justement du développement du Gabon, de la recherche, de tous les mécanismes qui avaient pour objectif de pouvoir instaurer au Gabon un régime démocratique qui devait permettre une gouvernance de qualité afin de pouvoir améliorer les conditions d'existence des populations gabonaises. Maître Louis Gaston Maïla, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir chez vous. Heureux de vous accueillir et de débattre avec vous de ce débat que nous attendons. Encore heureux que nous ayons un débat à attendre parce que les hommes politiques s'ennuieraient. Notre boulot, c'est celui-là, réfléchir à l'avenir. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Je vous accueille avec le même plaisir et j'espère que nous allons pouvoir échanger et indiquer à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder vers quelle direction nous allons. Nous allons avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de gourmandises, je dirais. Les Gabonais nous attendent-ils pour qu'on décide les contours, on exprime les ambitions d'un nouveau Gabon, d'un Gabon qui prend un nouveau départ après ce coup que nous avons appelé de libération. Donc, bonsoir, merci d'être avec moi aujourd'hui. Maître Louis Gaston Maïla, vous nous recevez dans vos bureaux et le constat que l'on fait, dans votre bureau, il y a des souvenirs, il y a des œuvres d'art, il y a surtout des photos qui Oui. sont révélatrices de votre longue histoire personnelle, votre histoire politique. On a vu des photos du général de Gaulle, on a vu des photos de vous avec Du Kofi président Annan, du Léon Blanc. président Léon Bah, du président Omar Bongo. Bongo Ondimba également. Vous êtes un homme assez fidèle à l'histoire et justement, cette rencontre d'aujourd'hui avec vous nous donne l'occasion peut-être de vous donner la parole afin que vous puissiez aider les Gabonais, notamment ceux de la nouvelle génération, à avoir une idée précise de l'histoire de notre pays à partir de 1990 avec la conférence nationale, ensuite les accords de Paris de 1994, mais commençons par la conférence nationale. Vous êtes déjà un homme politique accompli en 1990 quand on organise la conférence nationale. Est-ce que Maître Louis Gaston Maïla a encore des souvenirs de ce grand rendez-vous? Ben oui, j'ai surtout le souvenir des acteurs qui tous étaient atypiques. J'ai plutôt le regret de l'absence de ces grandes figures, de ces grandes voix qui ont rythmé la marche de notre pays. Quand on prépare une rencontre telle que celle-ci, on ne peut pas ne pas regretter l'absence, la présence de quelqu'un comme Jules Bourdet Soghoulguéné, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai le plaisir d'espérer, avec beaucoup d'autres, de rencontrer des hommes comme Paul Mbabe Solo, des gens avec qui nous sommes donné l'échange, lui dans l'opposition, moi dans la majorité. Je crois que c'est un moment attendu par tous les Gabonais. Et c'est encore heureux que notre pays ne soit pas tombé dans une espèce de platitude, opposition, majorité. Bon, on se dit, ben, ils s'opposent sur quoi? Ils sont d'accord sur quoi? Non, moi je suis heureux de pouvoir participer
avec beaucoup de gourmandise à ce nouveau débat. Il a la particularité d'avoir lieu après notre coup de force, puisque nous nous le sommes appropriés. Qu'est-ce que nous préparons ensemble? Nous sommes dans une période de transition. La transition prépare quoi? On est tous curieux, comme ce mari qui rentre à midi, qui dit qu'est-ce que sa femme a bien pu préparer. Nous pensons que l'équipe de transition actuellement nous prépare un bon débat avec des acteurs que nous nous sommes choisis, disons-le. Et nous allons ensemble dire de quoi sera fait le Gabon de demain. De tout ce que nous avons reproché hier à nos acteurs d'hier, tout ce que nous souhaitons avec nos acteurs d'aujourd'hui, que demain soit. En fait, ça va être ça. Sinon, à quoi servirait la politique si on n'avait pas ce genre de débat? Vous avez parlé de 90. C'est révélateur et un peu difficile et différent. En ce sens qu'on a beaucoup parlé, longuement parlé, du régime qui nous gouvernait avant. Parti unique, unicité de voix et d'orientation. Alors on pensait que le fait de ne pas avoir plusieurs partis, c'est une absence de démocratie. Bon, on a dit que la démocratie viendrait avec ce régime. En fait, la démocratie était là, elle s'exprimait seulement d'une autre manière. Nous pensons que les acteurs d'aujourd'hui nous préparent des plats que nous allons découvrir, savourer, corriger, critiquer. C'est ça notre rôle d'homme politique. Sinon, qu'est-ce qu'on serait? Il y en a qui trouvent le temps d'écrire. Bon, moi, j'ai sorti deux livres, je prépare un troisième pour toujours donner du grain à moudre à ceux qui vivent le politique, qui font de la politique, qui façonne et donne l'orientation sur la conduite du pays, ce qu'il doit devenir, sur quoi il change. Nous avons la période passée, bon, on a critiqué le régime qui est passé, bon, on a critiqué aussi celui qui est venu avant. Bien, ce sera le cas de celui-ci lorsque nous l'aurons pratiqué ensemble, lorsque nous aurons livré ce qu'il nous prépare dans cette transition. C'est ça le problème de la transition. Une période passe, les gens se réunissent, réfléchissent, proposent d'autres méthodes, d'autres façons de voir, d'autres manières d'analyser, proposent aux acteurs, à ceux qui subissent notre pensée, où voulons-nous aller, comment voulons-nous aller. En fait, c'est ça la politique. Maître Louis Gaston Maïna, la conférence nationale organisée au Gabon en 1990 n'avait pas été une conférence nationale souveraine. Il y a eu en 1994 les accords de, Paris qui ont pu mettre en relief un certain nombre d'institutions, dont le Conseil national de la démocratie. Alors, selon vous, vous avez pris part à ces deux rendez-vous, la conférence nationale et les accords de, les accords de Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que ces deux rendez-vous ont été des rendez-vous manqués? Tout rendez-vous est manqué. Tout rendez-vous. Parce que les gens vous diront la rencontre a accouché d'une souris. Mais la rencontre ne peut accoucher que d'une souris. Voulez-vous qu'il accouche de quoi? D'un éléphant? Non. Donc, je dis, les hommes, encore une fois, vont se retrouver. Je l'ai dit tout à l'heure avec beaucoup de gourmandise, pour échanger, pour proposer des modèles de pensée, des modèles de façon de vivre, de façon d'être. C'est ça. Mais je suis désolé pour ceux qui estiment que c'était des rencontres. Moi, je trouve que ça a été des rencontres. Mais chaque rencontre avait, pas un thème, mais un objectif. En 90, vous savez ce qu'était notre pays. Un seul parti, le Parti démocratique gabonais. Les gens, les Gabonais ont estimé qu'on était enfermés, qu'il fallait qu'on parle. On a dit, bon, vous voulez parler? Ben, allez-y, parlez. Ben, on a donné aux gens l'occasion de s'exprimer. Et 94, ça a été un peu pour rectifier ce qui n'a pas été, les résultats que nous avons atteints, qui n'étaient pas peut-être ce que nous attendions. Donc, une rencontre venait après l'autre, forcément pour critiquer l'autre et proposer autre chose.
Moi, les accords de Paris, ça a été une nouveauté. D'abord, ça s'est passé à Paris. Bon, il fallait partir de chez soi. Bon, je trouve que... Mais est-ce que ce n'était pas une incongruité, justement, de déporter la classe politique nationale et l'emmener à Paris pour aller régler les problèmes des Gabonais, du Gabon? Pourquoi Paris? Pourquoi cette rencontre n'avait pas été organisée au Gabon? Est-ce que... Ben, pourquoi pas à Madrid? Pourquoi pas dans une autre ville? Non. Je crois que les Gabonais avaient besoin de se retrouver hors de chez eux, avec le soir, quand on rentre, à se pencher sur les sujets, alors que quand nous sommes sur place, c'est toujours la même chose, le bureau, l'après-midi, bon. Vous avez besoin d'une certaine sérénité, un certain éloignement de... Je crois qu'on a fait du bon travail. Mmh. Moi, je me suis trouvé à Paris pour l'occasion, avec beaucoup de compatriotes qui sont là, avec qui nous avons échangé sur pas mal de choses. Nous avons proposé des trucs. Vous parlez de... Du CND. Du CND, qui reste un cadre, je dirais même normatif. Le CND n'a pas encore cessé d'inventer. On attend encore beaucoup de lui. Ben, c'était né à Paris, effectivement. On a pensé que les politiques avaient besoin d'un cadre pour se retrouver en dehors de l'Assemblée nationale après le vote, en dehors du Sénat, puisque nous avons un régime bicaméral, pourquoi pas. Bon. Mais je trouve que ce sont les deux rencontres qui ont donné les résultats qui étaient attendus. Aux accords de Paris, nous avons corrigé un peu les résultats de la conférence nationale, où il y avait deux camps rangés. Vous savez, c'est toujours ce qui précède la conférence, qui donne le ton de la conférence. En 90, tout le monde disait, bon, on va voir ce qui est arrivé. Mais voulez-vous qu'il arrive quoi? Il arrive que les Gabonais ont parlé entre eux, ils ont dit des choses. C'est vrai qu'il y a longtemps que nous nous étions parlé de manière cordiale. Bon, la vie politique, c'est ça. Jusqu'à présent, les Gabonais échangent dans le camp qu'ils se choisissent ou bien qu'ils les choisissent. Bon, il n'y a pas péril en la demeure. Je crois qu'il faudrait qu'on en discute. Et c'est heureux qu'on en discute. Je crois que le mois prochain, nous aurons un débat ouvert avec des gens qui l'ont préparé. Nous sommes nombreux. Mon souhait, c'est que les hommes politiques, eux tous, participent. Parce que c'est leur boulot, ça. Il faudrait qu'ils aillent dire ce qu'ils pensent du débat, ce qui leur est servi aujourd'hui, qu'est-ce qui leur manque qu'on ne leur donne pas. C'est le moment de le dire. Mais il sera toujours le moment après, bien sûr. Mais je crois que le débat est un moment d'intense activité des hommes politiques. C'est intéressant parce que ça concerne la vie de tout le monde, la vie de tous les jours. Et de réfléchir dessus, ça fait un peu monotone de venir tous les matins à mon bureau, comme c'est mon cas. Mais ça va me changer pendant un mois, d'avoir échangé avec les gens de tous les horizons. Il y aura un moment où la vérité, bon, où est-ce qu'elle est? Elle n'est nulle part. Elle est tous les jours, elle n'est pas là. Mais c'est le débat, c'est cela, la spécificité des hommes politiques. C'est cela, le charme de la politique. C'est de proposer, c'est de débattre, c'est de critiquer. C'est de remettre encore une fois sur le tapis chaque matin. C'est ce que nous faisons. On va revenir, Maître Louis Gaston Maïla, sur l'apport des acteurs politiques dans cet important rendez-vous, le dialogue national inclusif du 1er au 30 avril prochain. Mais revisitons encore une fois de plus l'histoire. Oui. Les accords de Paris avaient été organisés en France, à Paris, au lendemain d'élections électorales chahutées après la présidentielle de 1993. Le dialogue d'Agondjé a été organisé au lendemain d'élections présidentielles chahutées, les élections de 2016. Le dialogue national inclusif convoqué par le comité de transition pour la restauration des institutions va se tenir après un coup d'État, appelé coup de libération, qui a eu lieu le 30 août dernier. Donc, on est toujours dans cette réalité d'organisation d'élections présidentielles au Gabon, dont les lendemains électoraux sont malheureusement chahutés. Alors, est-ce que la question relative à l'organisation des élections transparentes au Gabon, selon vous, avec l'expérience qui est la vôtre, est-ce que cette question
doit occuper une place de choix lors du prochain dialogue national inclusif? Moi, je vous dis trois fois oui, parce que j'ai ma mémoire, beaucoup d'élections. Comment ça se fait? C'est toujours préparé de la même manière. Il y a toujours un comité sur place, il y a toujours un ministre de l'Intérieur. S'il y a une autre façon de faire les élections, prenons-la, proposons autre chose. Une chose est de critiquer et de nous critiquer, une autre est de proposer autre chose par rapport à ce que nous faisons. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas connu d'élection où tout le monde s'embrasse après le résultat. Bon, on espère qu'un jour, ou bien les prochaines élections, ça va être cette visitation pour parler comme les hommes d'église et qui va nous permettre de mettre en place un régime avec un président élu correctement, avec des chambres élues correctement, selon le mode que nous allons choisir. Bon, ça va changer. Ça va nous changer de voir les gens qui s'embrassent après les élections. Espérons que c'est ce qui va arriver. Jusqu'à présent, on ne prend pas le chemin. Jusqu'à présent, bon, la dernière fois, c'était bon, un peu un coup de trop, un peu d'exagération. Lorsqu'on voit les élections présidentielles organisées en même temps que les élections législatives et le chef d'État se fait réélire en même temps que les députés, bon, je ne m'en suis pas privé. Je me suis dit en disant que ce n'est pas ça. Dieu merci, ce n'était pas ça. Dieu merci, ça a été annulé. On saura que c'est des choses à ne pas faire. Bon, nous sommes des hommes qui avons déjà vu, qui allons continuer de voir, des hommes qui ont déjà proposé, qui allons continuer à proposer, même si on n'est pas écouté, mais on n'est pas écouté une fois, deux fois. Au bout de la cinquième fois, on commence par se faire écouter. Donc, préparons sérieusement cette rencontre. Après ça, il y aura très souvent, pour reprendre le mode d'organisation, un référendum. Il y aura des questions qui seront posées aux Gabonais. Les réponses à ces questions feront en sorte que nous ayons des élections apaisées où les gens, où le vainqueur va embrasser le vaincu ou, et vice-versa. Il faut bien que ça arrive un jour. On assiste dans d'autres pays à des élections, on ne peut pas dire plus apaisées, mais enfin, qui ne connaissent pas le nombre de morts que nous avons, nous. Bon, déjà qu'on peut se plaindre de n'être pas suffisamment nombreux, ce n'est pas la peine de perdre encore d'autres personnes parce qu'on va aller voter. On va choisir un président, après on choisira un autre. Pourquoi voulez-vous que les gens en meurent parce qu'on va choisir un président? Je ne sais pas. Maître Louis-Gaston Maguila, vous êtes un homme politique accompli, on l'a dit. Dans vos fonctions antérieures dans le gouvernement, vous aviez été ministre de l'Intérieur. Donc vous avez été en amont du processus d'organisation des élections au Gabon. La classe politique nationale a organisé plusieurs rencontres pour essayer de parfaire le processus d'organisation des élections dans notre pays. Alors le problème, est-ce que c'est l'entité qui a la responsabilité de l'organisation de l'élection, parce qu'avant il y avait la CODE, la CENAP, aujourd'hui le CGE. Est-ce que c'est la question relative au bulletin biométrique, l'enveloppe à coller? Quelles sont les limites? Nous sommes des aveugles qui avançons, qui nous trompons. Nous sommes en train de tâtonner. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la meilleure façon. Peut-être c'est aussi de notre nature à nous, Gabonais, de n'être pas contents de ce que nous présente. Mais jusqu'à présent, les pires des élections que j'ai connues, c'est l'année dernière, ça c'est clair. C'est la première fois que j'ai vu qu'un chef d'État se faisait élire par quelqu'un qui, même, en même temps, choisissait un parlementaire. C'est pas possible. Bon, là, je ne me suis pas privé. Je suis sorti en disant non, on n'a jamais vu ça. Non, ça c'est trop. Ben, j'ai peut-être pas eu tort, la preuve, nous sommes là. Ça veut dire que ça a été les pires des élections que j'ai connues. Mais on ne peut pas dire que celle qui, par le passé, nous a conduits là où nous sommes aient été les meilleures, non. Mais on n'a pas encore atteint la médiocrité de cette préparation. On n'avait pas encore atteint l'absurdité dans ce que nous venons de vivre comme élection. Moi, j'ai voté, comme tout le monde. Bien sûr, j'ai voté. Bien sûr que mon devoir, c'est de voter. Bien sûr que j'ai voté en fonction de mes idées, de ma pensée. Mais bien sûr que j'étais malheureux d'aller choisir un président en même temps que je... Bon, ça n'a pas prospéré. Heureusement,
Heureusement qu'il y a ce coup de libération. Sinon, on avait avec, pendant 7 ans, 5 ans, un homme qui a été choisi à la fois lui et son contraire. Puisque le Parlement, qui a la vocation de venir corriger, de venir discuter, de venir chahuter le développement, c'est ça. Et c'est le même qui choisit le président. Bon, on n'avait pas encore atteint cette absurdité. Il y en aura sûrement d'autres, rassurons-nous. Mais ça, ça a été, disons, le sommet dans l'absurdité. Justement, pour garantir cette transparence, oui. Maître Louis Gaston Maïla, est-ce que vous pensez qu'il faut une véritable remise en question de tous les Gabonais par rapport justement à l'organisation des élections transparentes dans notre pays? Oui. Parce qu'on a constaté que l'organe qui avait la responsabilité de l'organisation, l'organe technique, avait à sa tête, il y a eu à un moment des magistrats, sans qu'on ait une véritable garantie de transparence au bout du processus. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors, quel profil, finalement, faut-il définir, avoir pour le mettre à la tête de cet organe-là? Je crois que la recherche de l'homme parfait va nous conduire toujours à revoir le monde, à choisir différemment. On verra ce que nous allons préparer cette fois-ci, puisqu'on va aller au débat. On va en débattre. Et il sortira sûrement. Les hommes providentiels, ça n'existe pas. On va choisir des hommes qui ont une intégrité que ceux qui vont avoir à choisir vont juger. Et puis on verra bien. Pourvu qu'on ne sache pas qu'après l'élection, c'est la mort. Non. Après l'élection, c'est l'autre élection. Après l'élection, c'est faire mieux. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas l'âge que moi j'ai. Tout le monde n'a pas eu la chance de vivre ce que moi j'ai vécu. Et je merci pour cela. Mais je crois qu'il faudrait que nous nous mettions en tête qu'on va choisir les hommes qui, pendant 5 ans, pour certains, vont diriger le pays. 5 ans après, on va choisir d'autres et on va continuer. L'objectif étant toujours de faire mieux. Donc moi, j'ai participé à plusieurs gouvernements, Dieu merci, bon, avec plus ou moins de bonheur chaque fois, mais avec la volonté de faire mieux chaque fois. Bon, je n'ai toujours pas réussi. Heureusement d'ailleurs, je ne serai pas en train de chercher ou de continuer de chercher ou de proposer autre chose, mais tant mieux. Tant mieux qu'il nous reste suffisamment de ressources pour offrir aux Gabonais un canevas, une façon de voir, une façon de décider, quelque chose dans notre comportement de tous les jours. C'est ça, les hommes. On est là pour changer. Mais dont les hommes ont changé. Changeons en mieux. Faisons ce que nous avons à faire. Moi, c'est mon boulot. Je ne suis pas encore fatigué. Je crois que je le fais avec beaucoup de bonheur. Tout le matin, je suis à ce bureau pour réfléchir. Bon, ce n'est pas facile à trouver. Je ne trouve pas tous les jours. Mais il m'est arrivé de trouver. J'ai offert ma réflexion dans deux documents que je vous ai soumis. Je suis en train d'écrire un autre livre pour... Toujours sur la politique, c'est mon métier, c'est celui-là que j'ai choisi. Bon, j'aurais pu être curé, d'ailleurs, ce que je regrette un peu. Mais quand je danse le bouti, j'ai le sentiment d'être un curé à ma manière. Peut-être c'est là-dessus que j'écrirai un prochain livre. Bon. On va faire justement, là, vous donnez l'occasion, quand vous parlez de danser le bouti, d'ouvrir, de m'engouffrer dans cette brèche que vous ouvrez, lors de l'entretien que le père Paul Mbabe Solo nous a accordé. Il a évoqué la nécessité, lors de ce dialogue-là, de penser sérieusement à emmener les Gabonais à se réconcilier avec leurs traditions, avec leurs rites et coutumes. Est-ce que vous pensez que c'est fondamental? Vous voyez une photo à côté, là, où moi je suis en train de danser le bouti. C'est fondamental, parce que nous sommes des nègres, nous sommes des Gabonais, nous avons une originalité. Tant qu'on ira toujours chercher chez les autres la manière de nous gouverner, il manquera toujours quelque chose. Réapproprions-nous. Des gens qui, comme moi, ont passé beaucoup de temps à réfléchir, à travailler avec d'autres modèles, c'est rafraîchissant quand je retourne chez moi, quand je vais danser le bouti, Mais c'est une partie de moi qui me manquait, que je complète, mais que je terminerai jamais. Mais c'est une recherche permanente et continue. Réapproprions-nous
notre connaissance, notre aide, notre culture. Intégrons-la dans ce que nous faisons tous les jours. Peut-être ça va nous aider à trouver des solutions. Lorsque vous subissez une initiation telle que le Bouti, vous découvrez un autre monde. Alors, soyons d'abord convaincus qu'il y a d'autres mondes qui peuvent ajouter à celui-ci ce qui nous manque. Et je crois que c'est une bonne chose. La recommandation du père Paul Mbabe Solo, avec qui j'ai eu un moment donné à croiser le fer, un moment donné à coopérer. Et quand j'ai besoin d'échanger, je ne me gêne pas de prendre mon téléphone. Paul, tu es libre, je peux venir te voir, laisse-moi venir t'ennuyer quelques minutes. Je me délecte quand je suis à côté de cet homme. On échange, il me dit des choses. On n'est pas toujours d'accord, heureusement d'ailleurs. Et après, on se tape sur l'épaule, on est content d'avoir passé 2 heures, 3 heures de temps, ça nous arrive. Et on se dit, la prochaine fois, qu'on se retrouvera, on parlera de telle chose. C'est une bonne chose, c'est une chance que nous avons. Maître Louis-Gaston Mayina, ces dernières décennies, certains observateurs, certaines personnes ont estimé que la Cour constitutionnelle a souvent penché en faveur du parti au pouvoir ou du pouvoir. La tour de Pise. Voilà, vous l'avez souvent appelée la tour de Pise. Oui. Elle intervient en aval du processus électoral. Est-ce que vous la considérez comme chien de garde du pouvoir au Gabon? Quelle est votre idée de ce que devait être la Cour constitutionnelle dans la nouvelle architecture institutionnelle de notre pays après ce dialogue national inclusif? Peut-être ce que chez les autres, les cours qui ont la même vocation. Pourquoi on ne parle pas trop du Conseil constitutionnel de France? Parce que c'est un tribunal qui spécifie sur les domaines, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Mais nous, je me rappelle, j'étais avec quelqu'un et nous étions en train de mettre en place la Cour constitutionnelle. Et on était loin. Moi, personnellement, j'étais loin de croire que Mme Mbouranzo serait présidente de cette Cour. Bon, quand nous sommes arrivés à ce résultat, Ouligele a dit au président, « Monsieur le Président, je crois que nous avons accouché d'un monstre. » Bon, cet homme était tellement intelligent qu'il voyait les choses par avance. Mais c'était une femme bien formée qui avait déjà fait ses preuves dans le domaine. Sa formation n'est pas en cause. Elle a été là. Elle a eu le malheur d'être là pendant trop longtemps. Elle a eu à connaître 2 exercices ou 3 exercices de plus. Bon, Mme Mbouranzo, c'est pas un monstre en tant que tel. Mais quand on dit qu'on a couché des monstres, on ne pensait pas à Mme Mbouranzo, on pensait à la Cour. Alors le problème, c'est la Cour ou c'est le système dans lequel la Cour constitutionnelle la cour se retrouvait? Bah, la Cour s'est mise à penser qu'elle pouvait tout faire et une chose et son contraire en même temps. Moi, pour mon malheur, j'ai eu à plaider plusieurs fois devant la Cour. Des fois, je serais avec le sentiment d'avoir été entendu, de m'être bien exprimé. Des fois, je sortais avec des pleurs en disant, bon Dieu, pourquoi ne comprennent-ils pas qu'ils sont en train de mettre ce pays dans une situation difficile? Ce n'est pas parce qu'ils voulaient le faire, mais ça s'est trouvé comme ça. Des intérêts sont intervenus, beaucoup de gens sont venus. Peut-être que moi, à la place de Mme Mbouranzo, j'aurais fait pire. Pourquoi pas? Mais je trouve que, à mon avis, il y a eu 2 exercices de trop. Nous ne sommes que des hommes, hein. Nous sommes des hommes, mais nous ne sommes que des hommes. Et avec des revers, avec des qualités, malheureusement aussi avec beaucoup de défauts. Alors quand nous restons trop longtemps à un poste, bon, moi je n'ai pas eu le sentiment de rester trop longtemps à un poste. J'étais 9 ans président du Conseil économique et social, j'ai été ministre. C'est quasiment une décennie, Maître Louis-Gaston Mayina, c'est beaucoup, 10 ans, non? Pardon? C'est quasiment une décennie, 9 ans. C'est beaucoup. 9 ans? Oui. Oui, ben 9 ans après, je suis parti, voyez-vous. Bon, peut-être que 9 ans de plus, comme elle a eu à faire, j'aurais peut-être été pire que je ne l'ai fait.
Non, mais je trouve que... sur ce point-là, on dit le Gabon, on aime bien la longévité au pouvoir. Le président Mabongo a fait 41 ans au pouvoir. Bah. Marie-Madeleine Bourassa a fait une trentaine d'années à la tête de la Cour constitutionnelle. Guinzo Bandama a fait quasiment 20 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Vous avez fait 9 ans à la tête du CES. Ouais. Qu'est-ce qui explique cette longévité à la tête des institutions? Je vous dis une chose. Personnellement, j'étais encore prêt à faire 9 ans à la Cour tellement je me plaisais à ce poste. Tellement je ne me suis plus adopté. Non, il faut dire les choses. Mais malheureusement, pour moi, mais pour les autres, 9 ans après, on a trouvé le moyen de suspendre cela parce que j'allais dans d'autres orientations, je sortais un peu peut-être de mon rôle. Mais les gens qui pensent bien sont très bien, il faut enlever Maïla de là, ça devenait un peu bon. Pourtant, moi, je me trouvais bien. Mais je crois que... Avec vos proverbes légendaires, ça commençait à agacer certains, non? Oh non, le proverbe... quand j'ai remarqué, pendant les 9 ans où je me suis adressé au chef de l'État en tant que président du Conseil économique et social, que je proposais des orientations. Je proposais sur la politique nationale des changements, de virements, de nouveautés. Mais on disait que vous parliez trop, que vous alliez même au-delà de votre champ d'action. Non, puisqu'on m'arrêtait. Vous aviez trop de liberté. Mais non, je n'avais pas trop de liberté. J'étais seulement président du Conseil économique et social. Non, dans la prise de parole, justement, puisque vous osiez dénoncer certaines choses, justement. Mais parce que je croyais que c'était de mon rôle. Sûrement, on a constaté que ce n'était pas de mon rôle. On m'a dit de changer. J'ai changé. Je suis allé... Bah tiens, je me suis retrouvé au gouvernement, rendez-vous compte. Je me suis retrouvé vice-premier ministre. Oui, je me suis retrouvé vice-premier ministre. J'ai eu à... proposer des changements tels que la CNAMGS, tels que des choses auxquelles j'ai pensé ou de quoi j'ai parlé quand j'étais là-bas. Peut-être c'est une bonne chose que les gens, après 9 ans, ou bien après... Bon, 42 ans, le président Bongo était un homme exceptionnel. Et Dieu ne fabrique pas des hommes comme ça tous les 20 ans, tous les 30 ans. Bon, donc, moi, je ne peux pas regretter, puisque... Ça a été pour moi, mon sort était lié au sien. C'est grâce à lui que je suis arrivé là. C'est grâce à lui que j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mais c'est sûr que 42 ans, ça fait un peu trop, un peu lassant. Bon. Mais justement, par rapport au dialogue national inclusif, cette question-là relative à... aux nouvelles institutions, la nouvelle architecture institutionnelle, pour ce qui est des mandats à la tête de la présidence de la République, des institutions de la République, et même du mode de désignation. On devrait limiter. Si c'est 5 ans, une fois qu'on a fait 2 fois 5 ans, il faut arrêter. Et pour mieux circonscrire une question telle que celle-là, c'est de faire la rotation. Lorsque le ressortissant d'une province, moi je suis de Langounier, si j'ai fait 2 mandats, bon je le dis parce que je ne le ferai pas, mais c'est normal que le mandat à venir, on dise à quelqu'un de Langounier, non, cette fois-ci, c'est quelqu'un de la Nianga, c'est quelqu'un de... Pour qu'il y ait cette rotation aussi à la tête de l'État, en choisissant les gens... de provenance différente. Est-ce qu'il est possible de sortir justement de cette vision-là, de cette géopolitique sur laquelle la politique d'Omar Bongo Ondimba se reposait durant les 42 ans? Est-ce que c'est possible? Moi, je fais partie de cette politique. Comme j'étais dedans, je trouvais que c'était bien. Ceux qui étaient dehors ont trouvé que c'était long. Et ils ont sûrement raison. Mais il est possible de sortir de là, par exemple, de décider que quelqu'un, qu'une province ne peut pas présenter 3 fois un candidat. Si vous êtes condamné à ne présenter que 2 fois, vous êtes condamné à ne faire que 10 ans. C'est déjà une bonne chose. Il faudrait seulement savoir s'y tenir, prendre des décisions, mettre en place des normes qui nous tiennent, non seulement auxquelles nous tenons, mais qui sachent nous tenir nous-mêmes, qui les mettons en place. Nous aurons la chance, vous et moi, de participer au dialogue qui arrive. Trouvons une formule qui puisse faire en sorte que quelqu'un ne soit pas dit plus de 10 ans un chef d'État. Qu'un ressortissant de Langounier puisse être élu maire de la commune de Libreville. Jean Boniface Asselé vient du Haut-Ogooué d'Akiri. Oui. Il a tout le mal du monde à pouvoir être élu maire à Libreville parce qu'il y a une loi non écrite qui estime qu'il faut que ce soit un Pongoué de l'estuaire ou un Fan de l'estuaire élu à la tête de la mairie de Libreville. Pourquoi? C'est dommage.
Parce qu'on croit, on pense que les ressortissants de Libreville sont mieux placés pour décider du sort de Libreville. C'est un tort. Jean Boniface Asselé, dans ses efforts, il s'est montré quelqu'un de très entreprenant, de brillant. Nous avons vu ce qu'il fait. Ça aurait été mieux qu'Asselé soit maire de Libreville. Moi, j'ai connu Mindoumin Zamba, maire de Libreville. Mais bien sûr, c'était quelqu'un d'extraordinaire. On a connu M. Lassi. Bon. Valentin Mindoumin Zamba. Valentin Mindoumin Zamba, oui, il a été maire de Libreville. On l'a appelé président de la délégation spéciale. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je l'ai connu ailleurs, à d'autres postes. Bon. Il faudrait qu'on revienne sur des questions telles que celles-là. J'espère qu'on va faire. Que quelqu'un qui ne soit pas de Libreville, que Louis-Gaston Maïla se présente le maire comme maire de Libreville. Je suis sûr de faire un bon maire. Bon, mais ça, c'est ce que dit tout le monde, c'est ce que dit tous les candidats. Quand on se présente à un poste, parce qu'on pense qu'on peut bien faire à ce poste-là. Bon, j'ai déjà du mal à être maire de Fougamou. Bon, mais j'aurai beaucoup de plaisir à être maire de Libreville. Je crois que je ne serai pas moins bien que d'autres compatriotes qui, à ce poste-là, ont eu à se mesurer avec la difficulté. Bon, je crois que la vocation de tout homme, c'est de pouvoir s'essayer à n'importe quel emploi, à n'importe quel poste, de travailler avec d'autres personnes, d'échanger, de proposer, d'orienter. Et nous sommes faits pour ça. Votre question est pertinente. Peut-être que pendant la conférence, on va en débattre. Peut-être que nous ne verrons plus quelqu'un plus de 10 ans au poste de président. Deux fois, ça, pour moi, ça suffit. Bon. Deux quinquennats ou septennats? Deux quinquennats. Vous savez, je vais vous surprendre. J'ai été pour le septennat. Pour une raison simple. Je trouvais que lorsqu'on a fait un septennat, quand on arrive au bout, humainement, on a envie de se reposer. Bon. Par extraordinaire, si vous en faites deux, ça fait 14 ans, mon Dieu, il faut arrêter. Bon. Quand nous sommes dans le feu de l'action, quand nous sommes de ceux qui gouvernent, on pense que 7 ans après, ce sera mieux. Et les hommes s'organisent pour qu'ils deviennent indispensables. Ça n'existe pas, les hommes indispensables. Les cimetières sont pleins d'hommes indispensables, c'est vous dire. Je crois qu'il faudrait que nous ayons la sagesse, le courage de savoir raison garder. Quand on s'est présenté une fois au suffrage de ses compatriotes, qu'on a eu la chance de les emporter. Bon, une fois, on le fait, et puis après, on laisse quelqu'un d'autre faire. Et comment on n'a toujours pas cette sagesse? Quand il s'agit de vous, bon, qu'on trouve les moyens de nous empêcher de nous présenter 10 fois, et puis de faire 42 ans. Bon, je ne le regrette pas, mais humainement, je le regrette. Maître Louis Gaston Maïna, le dialogue national inclusif qui sera organisé du 1er au 30 avril prochain aura la participation de l'ensemble des forces vives de la nation. C'est un dialogue inclusif. Il y a au niveau de la société civile certains qui estiment qu'il faut nécessairement opposer à la démocratie politique la démocratie sociale. Parce qu'ils estiment qu'on a trop fait de politique, trop parlé de politique depuis 1990 et qu'il faut cette fois-ci, lors de cette grande rencontre, mais vraiment aborder les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, il faut les aborder avec franchise. Mais c'est ça la franchise. Politique, monsieur. Oui, mais pas la politique politicienne. Ça, disons que c'est un verbiage commode pour les hommes qui sont comme moi, appelés à parler tout le temps. Mais la politique, c'est ça, monsieur. Nous ne faisons que ça. Essayer d'améliorer les conditions. Ce n'est pas parce que nous ne réussissons pas qu'on ne propose pas. Ce n'est pas parce que les conditions ne changent pas de manière spectaculaire qu'on ne propose pas, qu'on n'avance pas. Moi, j'ai été ministre à plusieurs postes. Chaque fois, j'ai eu le sentiment... Il y a des postes clés. À des postes clés, j'étais ministre de l'Éducation nationale. J'en garde un souvenir très attachant. Et je ne suis pas mécontent d'avoir fait 7 ans ministre de l'Éducation nationale. Tout comme j'étais ministre de l'Intérieur, j'étais ministre du Travail, j'étais... Les affaires sociales. Les affaires sociales. À perte, quand on regarde,
C'est un poste très attachant. C'est un poste où vous vous attachez à des problèmes, vous vous attaquez à des problèmes. D'abord, à chaque ministère, on est face à un lot de problèmes. Vous changez de cap, mais vous avez toujours le même allant, vous avez toujours la même volonté de changer. Vous vous mesurez tous les matins à la difficulté. Vous arrivez le matin avec un lot de problèmes déjà prêts, vous finissez ce problème-là, vous prenez d'autres. Ce sera le rôle du ministre. Moi, je regrette d'être resté 30 ans, mais je suis prêt à recommencer, mais je dirais que non, parce que mon âge m'appelle à d'autres problèmes, à réfléchir, à écrire, à autre chose. Mais je ne regrette pas le temps que j'ai passé à faire face à des difficultés dans les ordres les plus divers. Lorsque vous êtes ministre du Travail, vous avez un autre quotidien que celui de l'intérieur, que celui de l'éducation ou que celui de l'autre. Je me rappelle, j'ai été ministre du Tourisme. Et puis, bon, le président Bongo me faisait la faveur d'écouter quand j'ai voulu être ministre du Tourisme et de la qualité de la vie. Je trouvais que changer la vie, c'est autre chose. J'ai été ministre du Tourisme et de la qualité de la vie jusqu'à ce que mon ami Chambrier devienne à son tour. Et quand Chambrier est parti, on n'a plus eu que des ministres du Tourisme, on n'a plus eu des ministres du Tourisme et de la qualité de la vie. La qualité de la vie, c'est très important, monsieur. Donc, ceux qui ont cet âge, je les envie, bien sûr, doivent mordre à pleines dents cette vie pour vouloir la changer, pour pouvoir proposer autre chose. Bon, mais il faut faire doucement parce que c'est un domaine tellement délicat. Bon, vous avez l'éducation nationale aujourd'hui. Tout le monde en parle. Chacun regrette des lois telles que c'est fait. Bon, parce que si nous avons été là, on n'aurait pas accepté ça. Parce que nous avons été là, on n'a pas proposé cela. Mais peut-être ceux qui le font ont des raisons de le faire. Mais nous sommes des hommes. Heureusement, nous ne sommes que des hommes. Donc on tolère qu'on se trompe. Mais quand on s'est trompé, il faut avoir le courage de repartir à zéro, de revenir sur le, de remettre 100 fois sur le métier votre ouvrage pour qu'on fasse autre chose. Heureusement qu'on nous laisse cette possibilité de nous tromper et de nous détromper, de nous voir corrigés par d'autres Gabonais, par d'autres personnes qui ont vécu et qui ont une expérience qui n'est pas la vôtre et qui demain matin vous remplace à un poste, amène une autre façon de voir, un autre style, un autre allant pour que demain matin la vie vaille encore la peine d'être vécue, monsieur. C'est ça, le bonheur d'être ministre, c'est de pouvoir orienter dans un domaine précis. Bon, je vois des gens qui sont ministres de la fonction publique, vous vous rendez compte, cette chance que vous avez de proposer aux gens comment s'employer et tout, c'est très important. S'il y en a qui ont la chance d'être et ministre de la fonction publique et ministre du Travail. Mais vous vous rendez compte? Bon, mais c'est important. Alors, puisque vous avez une telle importance, alors, déployez-vous avec le même allant, avec la même faute, pour que ce soit à la mesure de la confiance que l'on vous fait. Moi, je ne regrette pas d'avoir été ministre pendant ma vie. Je ne regrette pas, honnêtement. J'ai avec moi la conviction que j'ai donné le meilleur de moi-même. Bon, que je me suis trompé aussi parce que je ne suis qu'un homme. Malheureusement, j'aurais voulu être plus que cela, plus qu'un homme. Très peu de gens ont réussi à être plus que ceux qu'ils sont. On ne m'a pas permis d'être plus intelligent que je le suis, d'avoir plus de force de travail, de proposition. Mais j'aurais voulu encore faire plus. Mais je ne regrette pas d'avoir consacré une longue partie de ma vie à réfléchir aux problèmes qui se posent à toute une société, à tout un pays. C'est cela le bonheur de faire partie d'une élite, comme c'est le cas de nous autres, c'est le cas de nous citons, le cas des gens qui, comme nous, se sont vus confier des domaines entiers pour dire « on attend votre proposition, on attend votre façon de voir, on attend votre orientation ». Mais c'est important, monsieur. Maître Louis Gaston Maïla, oui. Le dialogue national inclusif est
est attendue par les Gabonais, notamment par les travailleurs. C'est un rendez-vous important. Les travailleurs voudraient qu'on aborde leurs problèmes lors de cette rencontre qui va réunir l'ensemble des forces vives. Ils disent qu'il faut dénoncer le fait qu'il y ait des travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail dans plusieurs sociétés. Ils disent qu'il faut qu'on revoie les conventions collectives dans le secteur privé. Il faut que ce dialogue-là aborde les questions vital qui touche le Gabonais dans son vécu au quotidien. Merci de le souhaiter. Heureux de faire partie de ceux qui vont avoir à en parler. Peut-être que dans le coin où je serai, parce que même à la porte, je les connais, pour avoir la possibilité d'aborder ces problèmes-là. Mais ces choses-là, des fois, on les pense pour vous. Moi, je me rappelle avoir été ministre du Travail, rentrant de Genève. Je n'ai pas assisté au conseil des ministres. On me dit, c'est Maïla qui a proposé. Mais je n'étais pas là. Comment j'ai fait pour le proposer? Donc, il y en a qui pensent qu'ils ont des intérêts cachés, qu'ils ont des possibilités. Bon, heureusement, après, je n'ai plus été ministre du Travail. Mais celui qui est venu après moi n'a jamais changé la loi. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui la voulais. Bon, c'est important d'avoir à proposer, d'avoir au-devant de la scène à orienter. Mais c'est dangereux parce que des fois, on pose à votre place, on dit que c'est vous alors que ce n'est pas vous. Mais c'est ça la vie. Bon, espérons. Je suis de ceux qui pensent, qui attendent avec gourmandise ce débat pour aborder toutes ces questions-là. Et j'ai confiance à d'autres Gabonais qui vont se retrouver parce que on n'aura jamais assez. On ne sera pas suffisamment nombreux. Il y en a beaucoup qui seront à l'extérieur. Mais que ceux qui sont à l'extérieur s'organisent pour prendre part à ce débat en étant à l'extérieur. On va peut-être mettre en place un forum ou bien une rencontre extérieure où les gens qui sont à l'extérieur viennent en débattre, échanger avec ceux qui resteront parce qu'on ne pourra pas accueillir tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est une question de possibilité. Vous ne pouvez pas réunir plus de 50 000 personnes, vous ne pouvez pas. Donc le peu qui seront là auront pendant un mois la possibilité de proposer, d'orienter, comme ça s'est fait plusieurs fois. Bon, ce qui serait dommage, c'est qu'on se mette à regretter. Parce qu'après ce dialogue-là, il y aura un autre. Après celui-là, il y aura encore un autre. Et nous sommes là, la vie c'est ça. C'est cette suite d'idées, cette suite d'échanges, cette suite d'orientation qui fait la vie. Parce que c'est ça la vie. Bon. Donc espérons, attendons. Soyons nombreux à aller avec l'ouverture d'esprit nécessaire pour accepter les observations des autres, pour que les autres veuillent accepter les nôtres, et qu'au sortir de là, on ait un autre modèle de société qu'on va mettre à l'épreuve. Si ça ne va pas, ben on recommencera. On est là pour ça, on recommencera. Il y en a dont c'est le travail, c'est le mien par exemple. Je ne serai pas déçu qu'il y ait un autre débat après. Ben, pourquoi pas? Ce qu'on aura oublié pendant ce débat, ce sera à remettre au goût du jour pendant le prochain débat. Donc, allons, moi je dis calmement, avec une volonté d'avancer, de faire mieux, de mettre sur le tapis d'autres problèmes, avec une autre volonté de les aborder. Bon Dieu, il y aura sûrement un référendum que l'on choisisse avec clarté ces questions-là, que le nombre que nous serons à la discussion aura arrêté, que le référendum nous aura indiqué le chemin, et puis on y va. Ce sera un gouvernement qui sera formé. Maître, ce ne serait pas autre chose. Maître Louis Gaston Maïla, nous allons terminer par cette question. Vous êtes un homme politique apprécié pour votre franc-parler. Votre capacité à aborder des sujets sans tabou. Oui. Dans les années 70, Omar Bongo estimait que la corruption était un serpent et l'argent gagnait malhonnêtement un venin. Au fil des années, on a vu que la question relative à la corruption, au crime financier, a eu finalement un avenir propice au Gabon. Lors de l'arrivée au pouvoir du CETRI, plusieurs personnalités de premier plan, proches collaborateurs de l'ancien président, ont été arrêtées dans leur domicile avec plusieurs milliards de francs CFA. La corruption, les crimes financiers ont fait du mal au Gabon
ont retardé le développement du Gabon. Est-ce que vous pensez que cette question mérite d'être abordée avec franchise lors du prochain dialogue national inclusif? Qu'il soit abordé, oui. Avec franchise, j'en doute. Et pourquoi? Parce que les hommes sont prêts à juger les autres et ne sont pas prêts à se donner un exemple. Vous savez, quand on a passé tant d'années à côtoyer l'argent, à côtoyer les gens, à côtoyer les possibilités comme moi, c'est sûr qu'on est passé à beaucoup, à côté de beaucoup d'occasions de s'enrichir. Il y en a quand tu me rencontres, tu penses que je n'en ai pas. Mais je ne le regrette pas parce que j'ai travaillé pour autre chose. J'ai travaillé pour donner. Donner de mon temps, donner de marché et tout. Je ne dis pas que je n'ai pas gagné de l'argent, j'en ai gagné. Dieu merci. Mais la façon de faire, la façon de se conduire comme le font les gens, bon, ce soit abordé, d'accord. Mais avec Francis, je doute. Parce que ce sont des hommes qui vont se retrouver. Demain matin, nous allons nous retrouver avec ceux-là qui seront avec nous au débat. Accusés de ceci, accusés de cela. Quand vous sortez de chez moi avec, je ne sais pas, 500 milliards, monsieur, c'est indécent. C'est indécent. Comment j'ai fait pour avoir ça? Ça n'existe pas. Moi, je sors de chez moi avec 50 000 francs, m'achète d'accord. C'est normal, quelqu'un qui, 30 ans durant, c'est normal qu'il ait 50 000 francs, qu'il ait 100 000 francs. Mais ce n'est pas normal qu'il ait 500 millions. Voyez-vous, c'est ça le problème. Mais, aborder, oui. Avec Francis, j'ai peur que non, parce que les hommes seront toujours des hommes. Et ceux-là qui vont parler des questions d'hommes vont apporter des solutions d'hommes. Ça veut dire que d'autres seront accusés encore après-demain, avec des montants plus importants que cela. Bon, mon Dieu, vous avez, comme moi, assisté à ce défilé des milliards et des milliardaires. Vous les entendez tous quand ils sont de prison. Ils n'ont rien fait. Mais les milliardaires, la République en a depuis les années 70-80. C'est pas nouveau. On a vu des hommes politiques de votre génération fêter les milliards dans ce pays. Vous savez, l'honnêteté est de ce monde, tout comme la malhonnêteté. C'est dommage qu'on soit toujours prêt à juger autrui sans être prêt à se soumettre à la règle. Mais je ne suis pas mécontent de n'être pas de ceux-là qui ont pu fêter un milliard. Bon, j'ai été accusé avec des gens comme les Mbumba et tout. Je n'en ai pas plus que ça. Je touche ma retraite et je suis content. Mais c'est difficile de parler de soi. Je peux déjà regretter d'avance qu'on en parlera, mais qu'on en parlera encore et que ceux qui proposeront des choses ne soient pas sûrs que ça va être appliqué et qu'on va avoir une absence de gens qui s'approprient de l'argent public pour faire autre chose que ce qui doit être fait avec l'argent public. C'est dommage. Ceux qui m'ont accusé hier se rendent compte qu'ils ont eu tort parce que je suis là avec vous. Je ne suis pas en Suisse ni au Japon, machin et tout. Je suis là dans ce pays. Je suis avec les autres. Je me fais une maison en terre comme vous. C'est ça la vie. D'être accusé, mais d'être aussi accusé à tort. Mais on pense que ceux qui sont en prison ne le sont pas à tort. Bon, c'est leur tour d'être accusés. Comme hier, nous avons été accusés à tort. Nous avons subi, pour certains, comme mon cas, de prison pour rien. La preuve, nous sommes là. Est-ce qu'il y aura un monde parfait? Non. Ça fait partie des imperfections de ce monde, qui n'est pas parfait. Ça fait partie des choses auxquelles nous devons nous employer à faire venir, à faire établir pour que le monde de demain soit un peu différent de celui d'aujourd'hui. Quand vous voyez l'âge des gens qui sont accusés, quand vous voyez les sommes dont ils sont accusés, on se dit que ce n'est pas possible. Mais enfin, c'est possible, la preuve c'est là. Je sais qu'on va en parler, mais je n'ai pas la naïveté de croire qu'il y aura des prisons vidées pour autant. Bon. Maître Louis Gaston Maïna, on arrive quasiment au terme de cet entretien. Quelle peut être votre conclusion par rapport à ce futur dialogue national inclusif? Il n'y en a pas de conclusion. Il y a une volonté féroce d'aller demain à ce débat, d'aller porter la contradiction à ceux qui seront là, d'apporter ma part, ma pierre à ce qu'on doit considérer comme un édifice commun. Et c'est déjà ça. À cela suffit déjà sa peine. Ce serait prétentieux que de donner une conclusion. Non, je suis prêt aller en débattre,
J'espère qu'on va m'accepter. J'espère que ceux qui vont là-bas vont avec la volonté d'apporter un peu plus. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais j'ai ma façon de voir, j'ai ma façon d'orienter le débat, j'ai ma manière d'affronter demain, j'ai ma façon de voir les choses. Comme j'ai lu, c'est juste 77 ans. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup, ça? Mais pourtant, j'en demande encore plus. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, monsieur, parce que la vie, il y a tellement d'embûches. Savoir éviter certains écueils, avoir su mettre le pied là où il fallait sans tomber dans le trou, ça a toujours été une bénédiction. Voilà pourquoi nous continuons de prier. Prier, c'est une activité. Moi, quand je n'ai rien d'autre, je prie. Il y a danser l'obiti aussi. Pardon ? Il y a danser l'obiti aussi. Danser l'obiti, c'est une bénédiction. Comme il y en a qui vont danser au bal. Moi, comme vous me voyez sur cette photo, je suis en train de danser l'obiti. C'est normal, c'est une façon de dire à Dieu merci, merci pour ce jour, merci pour ces autres jours qui viennent, parce que celui d'aujourd'hui, je le vis déjà. Demain matin, donnez-moi encore d'autres pour que je puisse apporter un peu plus que je ne l'ai fait. Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas fait plus intelligent que je ne le suis? Mais ce n'est pas ma faute, c'est vous qui m'avez fait. Bon, moi, je crois que ce que je fais est bien, parce que je crois que je suis là pour faire des choses bien. Mais je peux aussi me tromper, faire des choses qui sont moins bien. C'est votre cas, c'est le cas de X et de Y. Mais je trouve que le temps que nous avons passé à échanger, comme maintenant là, vous en aurez avec d'autres collègues qui diront, mais Maïla, il a dit des absurdités. Mais c'est normal que j'ai dit des absurdités. Pour vous, pour moi, ça paraissait tout droit. C'est ça que nous faisons ensemble. Cultiver ensemble cette proximité, cette façon, cette volonté de partage pour que nous allions un peu plus, un petit pas vers le... Moi, je trouve vers le bonheur, vers la perfection. Non, mais c'est bien que de la rechercher, la perfection. Elle n'est pas de ce monde, dit-on, mais nous qui la recherchons, ben, nous nous consacrons à quelque chose d'utile. Merci plutôt d'être venu avec vos micros et vos caméras devant moi pour échanger avec moi. Merci pour ceux qui ont pris ces quelques minutes pour nous écouter alors qu'ils avaient mieux à faire, ben, allons au débat. Moi, je suis prêt, d'autres aussi. Merci au Seigneur de nous donner encore des jours meilleurs pour échanger. Peut-être que je vous verrai pendant ce débat, après ce débat et avant. C'est moi qui vous dis merci, et ça, c'est mon devoir, que de penser que quelqu'un comme vous, qui avez beaucoup de travail, vous ait passé une heure de temps pour échanger avec quelqu'un comme moi, c'est vraiment un bonheur. Et merci beaucoup. Merci, Maître Louis-Gaston Maïla. Merci beaucoup pour la possibilité que vous nous avez donnée, Téléafrica, de pouvoir vous faire cette interview consacrée donc à l'organisation de ce prochain dialogue national inclusif souhaité par le Comité de transition pour la restauration des institutions et qui verra la participation de l'ensemble des forces vives de la nation. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Téléafrica. We'll be right back.